Alors salut tout le monde, c'est Golden Landar. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD, sur comment obtenir la lanterne spectrale, pardon, que vous pouvez voir justement à l'écran. Donc en fait j'ai été pris un peu au dépourvu, du coup cette vidéo je vous la fais dans des conditions pas très bonnes. J'ai pas eu le temps d'installer le trépied et tout pour filmer, là je suis en train de le tenir avec la main. Mais du coup je vais vous dire à peu près comment j'ai fait. Donc en fait c'est tout simple, il vous suffit juste de tuer 20 âmes de spectre, d'aller voir Giovanni, donc en étant en loup comme je suis actuellement, et il vous donnera le flacon avec les larmes de fée comme dans la version originale. Mais après il vous dira ce n'est pas facile de trouver les âmes sans aucun indice, prends donc cette lanterne. Et du coup voilà ce que j'ai gagné. Si j'avais su, j'aurais essayé de mettre un peu mieux les. Enfin de pouvoir mieux stabiliser pour pouvoir mieux filmer et tout, mais c'est. Enfin, j'ai été vraiment pris au dépourvu pour ça, donc je vous fais vraiment une petite vidéo très très courte. En plus, c'est pas pratique avec le gamepad parce que le gamepad est très grand. Donc on va voir ce qu'ils disent après. Vous obtenez la lanterne spectrale, cet étrange objet s'allume lorsqu'un spectre se trouve à proximité. Assignez-le à X, elle n'a pas besoin d'huile pour fonctionner. Oui, bon bah ça, normal, j'ai envie de dire. Je compte sur toi. Donc il suffisait de lui en donner 20, hein, comme je l'ai dit, 20 âmes de spectre. Donc il nous donne ça, je vais essayer de vous le montrer. Ah non, je peux. Non, bah en fait, je pense pas que je pourrais puisque ça s'affiche sur le gamepad. À moins que je sais pas. Non, bah, ça fait rien. Bon, bah je vais vous montrer le gamepad. Hein. Donc, il nous donne ça. Là, ça, là, les larmes de fée. Et en plus, il nous donne la lanterne spectrale. Voilà, donc c'est une vidéo qui est prise vraiment au dépourvu. C'est à l'improviste. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il me la donne comme ça. Et comme justement, j'ai rien trouvé dessus sur le net, je vous fais cette vidéo en espérant pouvoir vous aider si vous avez le jeu et que vous cherchez à l'avoir. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté de ce Zelda. Enfin, c'était pas dans la version originale, ils l'ont rajouté dans la version HD. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à réagir dans les commentaires, tout ça, tout ça. Ciao tout le monde!